Tellement qui on va bien découvrir. C'est parti. C'est parti. J'arrive pas à reconnaître. Je devine une femme en tout cas. Je pense. Vous pensez qu'il a dessiné souvent pour la dessiner aussi vite? Je sais pas s'il y en a beaucoup qui dessinent dans cette salle. Mais... comme vous le savez, hein, enfin, c'est souvent très dit quand même. Une grande caractéristique des bandes dessinées de M. Urasawa, c'est sa capacité à dessiner un nombre incroyable de visages différents. Et sa capacité à donner un nombre d'expressions d'autant plus incroyable à tous ses visages. Il a dit en interview une fois qu'il essayait de jamais dessiner deux fois le même personnage. Et j'ai jamais fait le compte. Mais rien que dans Monster, il va y avoir au moins plus d'une centaine de personnages différents. Alors c'est qui? Ah, j'ai pas entendu. Je vais le refaire parce que vous avez pas bien compris ce que ça voulait dire. J'ai pas bien entendu. Ils ont bon? Ils ont bon? Demande-lui s'ils ont. Pas mal. Hein? Non, non, je crois pas. J'aimerais bien savoir quoi dire pour le blé blanc, mais c'est vraiment juste impressionnant en fait. Pas grand chose d'autre à dire. Notez qu'il s'ennuie pas à faire une pause classique. Hein. Au cas où ça serait trop facile de dessiner quelqu'un debout en pied, il a choisi une contre-plongée, ce qui pour ceux qui ont fait une formation en art plastique savent que c'est l'un des problèmes les plus importants. Et en plus, il a fait à genoux. Vous ferais-je l'affront de vous demander? Je crois qu'il y en a qui ont révisé leur classique. Thank you.
Après, qui est-ce que vous aimeriez qu'il dessine? Astro! Je veux pas montrer un peu méprisant, mais on ne vous entend pas, hein. Astro! C'est bien. Alors, vous dites Johan ou Johan? Astro! Mais tu es sourd. Hey, une belle salle. Je vous raconte pas comment c'est bien d'être privilégié comme moi et de voir sur le côté son regard bien concentré. Je suis désolé, hein. Il n'y a pas beaucoup de plaisir dans la vie. J'en prends un. Tenma, c'est vrai. Mais Tenma au début de Monster ou plutôt vers la fin de Monster? Plutôt en forme ou plutôt fatigué par plusieurs années de course-poursuite? Il aurait lui-même peut-être volé un artiste japonais. Ça s'efface. Alors, des propositions. Astro. Je ne sais pas si vous saviez, mais au début, quand le projet Pluto s'est lancé, en fait, M. Urasawa, il voulait décider Pluto avec un dessin plutôt proche de celui de Tezuka. C'est pas tout de suite qu'il a voulu le dessiner avec son propre trait. Parce qu'en fait, ça revenait à assumer l'héritage. Et c'était un peu dur, c'était mieux de se glisser dans les traits d'un autre. Et apparemment, c'est l'héritier de Osamu Tezuka qui l'a invité et même encouragé à adopter son propre style pour dessiner cette histoire.
Allez, on applaudit bien fort. Quand j'écris des mangas, j'écris toujours des petits dessins et je n'ai pas trop l'habitude de faire des grands. Tada, 3 年前にメビウスさんと東京の大学でこういうのを書くのをやり合いしまして、メビウスさんに追いつけるように頑張ります。Il y a 3 ans au Japon, j'ai eu l'occasion de dessiner des dessins comme ça avec Monsieur Moebius. Et j'espère qu'un jour j'arriverai à son niveau. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup encore, monsieur. Vraiment, merci beaucoup. Et félicitations. Merci à vous, on applaudit très fort pour nous avoir fait. Merci à vous.